Bonjour mes amis, bienvenue pour cette agora vidéo philosophique. On va discuter ensemble pendant une petite demi-heure sur un thème qui est suis-je moderne? Voilà, donc c'est Blur is the New Black, le flou est la nouvelle tendance. Sixième épisode, rendez-vous tous les soirs possibles à 22h sur cette page. Voilà, donc vous allez vous connecter. Ceux qui regardent en replay cette Agora vidéo, n'hésitez pas à aller directement à la cinquième minute. C'est là où les choses sérieuses et modernes vont commencer. Pour l'instant, tout le monde arrive. Salut Salma, voilà, bonsoir. Et on est déjà 11. Voilà, tout le monde est en train de partager. Vous connaissez maintenant la formule. De plus en plus de monde. Salut Jérémy. De plus en plus de fidèles, dont Jérémy, voilà, de son rendez-vous quotidien ou presque. Voilà, donc je suis vraiment content. Il y en a plein qui me proposent des thèmes dans les messages. Salut Linda. Donc voilà, merci de porter ça. Et la meilleure façon de soutenir cette initiative d'Agora Vidéo comme ça, citoyenne, eh bien, c'est de partager, de participer, d'inviter vos amis. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo partout, hein, sur vos groupes, vos journaux, vos pages, en message privé à vos amis, pour qu'on soit nombreux dans 2-3 minutes et qu'on puisse bah, réfléchir, penser à quelque chose qui nous touche tous. Salut, bonsoir Vincent, je ne fais que passer, d'accord. Quelque chose qui nous touche tous, c'est-à-dire notre époque. Notre époque dite moderne, contemporaine, certains y mettent même des préfixes hyper modernes, vous savez que je mets le préfixe cyber moderne. Voilà, qualifier l'époque, mais avant tout qualifier ce qui serait une attitude face au devenir historique, qui est l'attitude d'être à la page, d'être aux dernières tendances. Quand je dis blur is the new black, il s'agit véritablement d'une tendance, du dernier cri, hein, le flou étant le dernier cri dans ma vision de la cybermodernité. Voilà, alors, première question que j'ai envie de vous poser, on est plus de 20 là, donc on peut aborder tranquillement cette notion passionnante. C'est quoi pour vous être moderne? Comment pourriez-vous définir cet adjectif mystérieux qui, alors que les historiens, alors il y a une grande différence entre le langage courant, quand on dit qu'une chose est moderne, on dit quelque chose d'assez précis, on dit que c'est pas 2010, quoi, c'est 2017, comme disent les jeunes. Quand ils disent c'est très 2010, c'est vraiment complètement has-been. Voilà. Donc là, c'est le langage courant qui utilise l'adjectif moderne pour qualifier vraiment ce qui est tendance, ce qui est à la mode presque. Et puis les historiens, quand ils parlent de l'époque moderne, il ne s'agit pas du tout de l'époque contemporaine. Ou en tout cas, il s'agit. Alors ça dépend des écoles. L'école anglo-saxonne, on est plus à partir de 1900, vous voyez, du 15e jusqu'à 1920. Ça va de 1492, découverte de l'Amérique, par Christophe Colomb jusqu'à la Révolution française pour certaines écoles. Donc voilà, c'est cette période-là. En ce sens, René Descartes, le philosophe, est un auteur moderne. Voilà. Donc vous voyez, c'est une notion qu'il faut prendre avec des pincettes, qui est très connotée. En fait, c'est une notion polémique. C'est une notion qui fait toujours polémique, et y compris dans son acception politique. Quand certains politiques nous disent qu'on n'est pas moderne ou qu'on n'est pas assez moderne, eh bien, on a vraiment l'idée de polémique. Vous pouvez être sûr que quand vous parlez de modernité, on va peut-être le constater ce soir, salut Cyril, voilà, vous pouvez être sûr qu'il y a polémique, et c'est cette polémique que j'ai envie de déclencher parmi vous en vous demandant quelle définition donneriez-vous d'être moderne. Voilà. Salma, la modernité d'aujourd'hui, c'est la libération des esprits. Ce que tu dis était valable au temps des Lumières. Hein, Rousseau, Kant, Holbach, voilà, toutes les intellectuels des Lumières, les philosophes, voulaient justement imposer la raison universelle contre les superstitions et contre les traditions, la lutte des anciens et des modernes. Hein. Que faut-il faire de nos traditions, de nos superstitions, etc. Eh bien, les Lumières ont une réponse assez claire et assez belle. La réponse est, attendez, je commence un peu tôt, je vous ai dit à 5 minutes, bah si, il est 5 minutes. La réponse, c'est justement
eh bien, d'interroger tout à l'aune de la raison. Attendez, excusez-moi 2 secondes, je partage. Et faites de même, mes amis, plein de partages. Voilà, donc quand tu dis Salma, la libération des esprits, on est vraiment dans cette optique, je dirais, 18e siècle. Hein, vraiment cette notion d'une modernité qui viendrait se débarrasser du monde ancien, archaïque, des croyances, des superstitions. Salut Racha. Jérémy, c'est vivre, être moderne, c'est vivre dans l'instant, l'instant présent. J'ai envie de dire l'instant récent. Hein, parce que le mot même de modernité, étymologiquement, provient vraiment de cette notion d'être dans ce qui vient de se faire et qui est encore actuel. En ce sens, l'idée de récent, l'idée d'actuel vont avec l'idée de être moderne. Hein. C'est encore actuel, c'est encore en cours. Pour pas dire le retour au naturel, voire l'éveil. Alors là, Salma, tu tombes dans un truc un peu new age. C'est porter un t-shirt dragon, oui, tu fais référence à ce chef-d'œuvre moderne. Est-ce que c'est ça être moderne? J'adore du Cyril. Attendez, hop. Donc, être moderne, qu'est-ce que c'est? Vous êtes vivre dans l'instant présent, je pense qu'on pouvait le vivre au temps de Platon, au temps des présocratiques. Je veux dire, l'idéal de la sagesse, une certaine forme de sagesse, comme étant concentré je dirais, sur ce que l'on vit, ce que l'on ressent, sur la sensorialité de l'homme, bon, ça, c'est pas forcément ce qu'on entend quand tu dis de quelqu'un ou d'un ami, il est très moderne. Ou quand tu dis, je sais pas, d'un objet qu'il est moderne. Ou quand tu dis d'une façon de penser, d'une façon, d'une intelligence sur le monde qu'elle est moderne. Il ne s'agit pas tellement de l'instant présent en ce sens. Donc, il faut qu'on trouve une définition pour commencer qui soit acceptable selon l'usage que l'on fait tous du mot moderne, hein, pour que ça reste proche des usages les plus en vigueur. Alors, moderne, dit Cyril, c'est vivre au présent et au futur. Moderne, c'est vivre au présent et au futur. Explique-moi un peu. Vivre au présent, donc on a vu que c'était valable pour pas mal de périodes. Vivre au futur, je vois pas ce que tu veux dire. C'est très joli hein, comme formule, mais j'arrive pas. C'est-à-dire se projeter, tu veux dire, un peu comme Sartre qui parle de projet, du propre de l'homme comme projet. Linda, la modernité, c'est l'adaptation à un nouveau paradigme. Ah oui, le fameux nouveau paradigme. Tous les jours, il y a des nouveaux paradigmes et des annonceurs de nouveaux paradigmes, évidemment. Un paradigme aujourd'hui ne vaut que parce qu'il y a des annonceurs qui écrivent des livres sur les nouveaux paradigmes. Voilà, donc ça ne veut plus dire grand-chose. Le mot vient de Thomas Kuhn, un épistémologue qui a expliqué ce que c'était un paradigme, c'est-à-dire une révolution totale d'un champ de savoir, de ce que Foucault appelait une épistémée, une façon de voir le monde, d'interpréter le monde. Vraisemblablement, le mot paradigme aujourd'hui est devenu une sorte d'appel publicitaire pour vendre justement l'idée que tel produit, telle philosophie, telle cure, telle thérapie est moderne. Hein. Ça participe d'un nouveau changement de paradigme. Bon. Depuis longtemps, on nous annonce l'ère du Verseau, l'ère de je ne sais plus à quelle ère on est. Voilà, donc effectivement, des nouveaux paradigmes, on en a tout le temps, mais justement, c'est ça la modernité. Saisir l'être moderne, est-ce que c'est s'inscrire dans le paradigme de la mode actuelle, que ce soit une mode spirituelle, une mode existentielle, une mode scientifique, une mode technologique, ou est-ce qu'on peut trouver la quintessence de la modernité? Alors, moderne, je relis vos messages. Hichem, fidèle au poste, salut. Vivre dans le présent et un peu dans le futur, c'est créer le futur. D'accord, donc tu verrais la modernité comme étant en avance sur le présent, c'est-à-dire un présent qui est poussé vers la notion de progrès. C'est ça que tu dis, en fait, Jérémy, c'est que tu mets cette notion de progrès et de mouvement dans la modernité. Je te rejoins en ce sens-là, cette idée de progression du temps, c'est-à-dire faire avancer le temps présent. Ouais, il y a quelque chose d'intéressant à creuser dans l'idée d'une temporalité qui serait en mouvement, voire même qui serait dans un délire de mouvement. Ça rejoint les analyses de Taguieff sur le bougisme, ce qu'il appelle le bougisme, c'est-à-dire que rien ne peut reposer, tout doit être en mouvement, haletant, et il critique le côté très publicitaire également de cette vision des choses.
Moderne, c'est s'adapter au changement. Dans ce sens, Samia, c'est exactement, on est déjà là dans notre réflexion sur l'idée de mouvement et de changement. C'est assez intéressant. Partagez les amis, il faut qu'on soit 60 là. Partagez, 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 n'arrêtez pas pendant qu'on discute. Yacine, y a-t-il une différence entre modernité et progrès? Bah oui, c'est la question. C'est bien parce que vous faites tout, hein. Moi, j'ai rien à faire, j'ai juste à lire vos messages, c'est assez génial. Donc voilà, du coup, la modernité, salut Louisa. Si la modernité, c'est un mouvement vers le futur, une progression, pousser les tendances actuelles vers leur point d'acmé, essayer d'augmenter les potentiels, d'optimiser les processus, on tombe très vite sur un jargon entrepreneurial, hein, parce que l'entreprise n'a de cesse que de vouloir être moderne pour plaire aux clients, pour se démarquer de la concurrence archaïque et pour avoir un vernis comme ça de progressisme. Et du coup, effectivement, une différence entre modernité et progrès. Si on noie la modernité dans l'idée de progrès, on risque de vite tourner en rond. Moi, j'aimerais qu'on puisse réfléchir à l'acception du terme. La modernité a quelque chose d'à la fois extrêmement positif. Quand vous dites qu'une chose est moderne, à part, je dirais, pour les Alain Finkielkraut et d'autres, qui critiquent hein, vraiment le monde moderne avec une sorte de posture réactionnaire assumée. Hein. Il se dit vraiment réactionnaire dans le sens d'être en réaction par rapport à ce progrès effréné et stérile. À part ça, en général, quand on utilise l'adjectif moderne, vraisemblablement, il y a toujours quelque chose de positif. C'est toujours pour se faire mousser, c'est toujours pour dire que, encore une fois, on se démarque. Voilà, alors il y en a qui disent monde cruel, monde moderne, il y en a qui émettent l'idée que la modernité va trop loin. L'école de Francfort, vous connaissez ce grand courant philosophique des années 20-30 en Allemagne, avec des grands noms, Horkheimer, Adorno, voilà, Adorno est un grand philosophe de cette Benjamin, Walter Benjamin, un grand philosophe de la modernité. Cette école de Francfort a justement montré que la modernité pouvait être connotée de façon très négative. Parce que la raison qui a été vantée, la raison universelle, depuis Descartes au moins, la raison qui a éclaté dans les Lumières, a montré ses limites lorsqu'elle ne devient que raison instrumentale, raison de dominer la nature, raison de prendre possession, par la science notamment, de tout ce qui était notre aliénation et de devenir maître de ce qui nous aliénait. C'était ça, la modernité, voulue par les Lumières, devenir maître. D'ailleurs, Descartes le dit très, très justement dans son programme, il faut se rendre comme maître et possesseur de la nature. Je crois que c'est dans le discours de la méthode, sixième partie. Voilà, donc se rendre comme maître et possesseur de la nature, comme, parce que évidemment le vrai maître et possesseur c'est Dieu, selon Descartes, mais comme maître, donc c'est-à-dire égaler les dieux, quelque part. Et l'école de Francfort est venue pour critiquer cette modernité. Alors il y a une critique tout azimut, hein, je vous dis pêle-mêle, grosso modo, ce que dit l'école de Francfort. La modernité, c'est l'abrutissement par le conditionnement des masses, donc le risque du totalitarisme, ils étaient évidemment visionnaires, voilà. La modernité, c'est l'obsession de la consommation et le capitalisme, et donc des individus réduits à la case de consommation, et donc on peut critiquer la modernité parce qu'évidemment c'est l'esclavage de l'homme par l'homme, alors que la modernité était censée nous sortir de l'esclavage. Ça rejoint ce mot, vous savez, de Paul Valéry dans ses Regards sur le monde actuel. Très beau petit livre de Valéry que je vous recommande. Dans Regards sur le monde actuel, il écrit: L'homme moderne est l'esclave de la modernité. Il n'est point de progrès qui ne tourne pas à sa plus complète servitude. Tout progrès induit forcément une servitude. Nous devenons esclaves du progrès lui-même. C'est de l'école de Francfort résumée et condensée. Et aujourd'hui, il suffit de voir les nouvelles technologies. Tout le monde y va de son petit couplet, disant que les nouvelles technologies nous aliènent, que ça explose la tension, que c'est un monde de crétinisation et de désertification culturelle, etc., etc., etc. Voilà, ce contre quoi d'ailleurs je m'insurge, puisque je pense qu'on est effectivement dans une autre modernité, la cybermodernité, mais on ne va pas ouvrir ce chapitre-là ce soir. Donc voilà, l'école de Francfort nous met en garde contre cette modernité qui finalement brise l'humanité de l'homme. Et la question qu'on peut se poser, je reprendrai vos remarques tout de suite, c'est est-ce que la modernité ne serait pas vouloir l'émancipation sociale, spirituelle, intellectuelle de l'homme?
tout ce qui va vers la libération des conditionnements et des enfermements serait moderne. C'est une belle définition que je vous propose. Est-ce que vous en trouvez une meilleure? Est-ce que vous voyez des limites? Est-ce que vous voulez faire des objections? À vous de jouer. Je continue sur vos commentaires. Alors, y a-t-il des... Ah, ok, je l'ai lu. Raphaël, les liens entre modernité et culture monde. Il faut que tu m'expliques, parce que culture monde, voilà, à quoi tu fais référence? Et à la rigueur, c'est à toi, Raphaël, de m'expliquer. Culture monde, je ne vois pas du tout à quoi tu fais référence. Est-ce que c'est Édouard Glissant avec le tout monde? Est-ce que c'est une critique de la mondialisation? Voilà, explique-nous un peu cette expression. Sandrine, être moderne, c'est de plus porter les pantalons pattes d'éléphant des années 70? Non. Oui, alors là, tu t'amuses et c'est sympa, Sandrine. Tu montres que la modernité en tant que mode est un cycle, évidemment. Le nouveau noir, hein, ce qui définit la norme du noir, est toujours nouveau. Hein. Orange is the new black, et là, c'est blur is the new black. Donc, on est toujours avec une sorte de course en avant des tendances, avec cette idée que développe le philosophe Günther Anders, l'obsolescence de l'homme, cette notion d'obsolescence, c'est-à-dire qu'une chose moderne est déjà dépassée. Vous le savez bien, Apple travaille déjà à l'iPhone 9 et a prévu déjà comment remplacer ce qu'il met lui-même sur le marché. Et donc, on est dans cette idée d'une course en avant effrénée qui, effectivement, est une façon d'être dans la servitude en croyant se libérer. Et donc, il y a cette notion d'une modernité qui libère ou qui fait semblant de libérer, mais qui enferme dans ce que j'appelle de façon ironique et cocasse la hamstérisation de l'homme. Ouais. La hamstérisation de l'homme, c'est notre transformation en petit hamster dans sa cage. Il cavale dans sa roue, vous connaissez les roues du hamster, il cavale. Il a l'impression, en allant de tendance en tendance, de modernité en modernité, d'objet high-tech en objet high-tech, il a l'impression de parcourir et de se libérer. Hein. Il court, mais il fait du surplace dans sa cage. C'est ça la hamstérisation. Et évidemment, c'est une modernité complètement délirante et qui, aujourd'hui, est armée par la technologie, la virtualité, l'immersion, et donc du coup le surplace, la cage devient une cage fantastique, et hamster que nous sommes, nous ne nous rendons même pas compte de notre qualité de hamster, nous nous prenons pour des purs sang cavalant dans les pampas de l'époque. Voilà, Elsa, il faut distinguer être moderne et l'époque, la modernité, oui tout à fait, c'est le point de vue que je faisais sur l'histoire. Donc là on s'intéresse sur être moderne. Suis-je moderne? Mais qui dit suis-je? C'est peut-être l'époque qui s'interroge et qui dit suis-je moderne? Voilà, donc l'idée de modernité comme émancipation, c'est vraiment... Il y a un philosophe qui... Je vais vous donner un peu des pistes. Hein. Donc il y a un philosophe qui développe ça. La modernité est un projet toujours inachevé qu'il faut évidemment prendre à bras le corps pour poursuivre ce projet. C'est une aventure ininterrompue. C'est Habermas. Hein. Habermas, c'est vraiment le philosophe qui pose la modernité comme une émancipation de tous les jours, un combat incessant. Et ce combat, c'est ça qui est intéressant chez Habermas, me semble-t-il, c'est que ce combat va contre la raison instrumentale. C'est-à-dire qu'être moderne, c'est justement, et en ce sens, il fait partie de l'école de Francfort, quelque part, c'est la queue de la comète, c'est véritablement faire attention à maintenir le combat contre cette réduction au matériel, à l'avoir, à la quantité, à la consommation, à la possession, à la conquête de l'homme. La modernité doit résister contre cet esprit de conquête et cet esprit de domination. En ce sens, c'est une émancipation aussi de soi-même. Ça rejoint ce que Nietzsche disait dans La généalogie de la morale, je crois que c'est la troisième dissertation, si ma mémoire est bonne. Il explique très bien, il faudrait que je le retrouve, il explique très bien comment l'homme moderne par l'hubris, hein, il parle de l'hubris, la démesure, et il montre comment il y a trois démesures qui font la modernité, et en fait, c'est mettre en avant des valeurs qui ont été toujours condamnées. Le moderne, c'est celui qui a des valeurs modernes, et les valeurs modernes étaient ce qui était condamné dans le passé et qu'on met au goût du jour. Il parle de l'hubris par rapport à la nature, Nietzsche, voilà, l'hubris par rapport à Dieu, donc on s'affranchit de la soumission à la nature, on s'affranchit de la soumission à Dieu, et la troisième démesure, c'est l'hubris par rapport à soi-même. C'est-à-dire qu'on s'affranchit même en sondant notre âme, on s'affranchit, il anticipe en cela c'est l'idée d'une psychologie curative, il se dit d'ailleurs psychologue Nietzsche, on s'affranchit des conditionnements de notre vie, de notre vécu.
ces trois conditionnements, nature, Dieu et nous-mêmes, être moderne, c'est justement mettre du vertige dans ces conditionnements. C'est un très beau texte de Nietzsche, je devrais le retrouver. Alors, continuons. Être moderne, c'est savoir évoluer dans sa vie. Donc l'idée de mouvement, Pierre, que tu remets, c'est progresser, dit Mao, tout à fait, on continue. Être dans le contemporain, alors là, Frédéric, tu déplaces le problème, parce qu'évidemment, qu'est-ce que le contemporain, du coup? Myriam, être en mouvement et changement perpétuel, d'accord, la moderne. Alors donc, pas de point d'ancrage, la question c'est qu'on ne peut pas... Donc être moderne, c'est finalement vivre, vous diluez complètement cette idée de qualification. Si c'est vivre, du coup, il n'y a même plus besoin de parler de quelqu'un de moderne par rapport à quelqu'un qui ne serait pas moderne. Que serait quelqu'un qui ne serait pas moderne? Toujours le même à réfléchir. Hichem, la modernité, l'évolution, c'est bien, les idées, c'est mieux. D'accord? Mais il y a aussi des idées modernes. Hein, il y a vraiment des idées modernes. Il y a même des philosophies modernes ou pas modernes. Être moderne, c'est la pensée citoyenne et collective, dit Sandrine. Nour, c'est s'approprier tout ce qui a été accompli jusqu'à cet instant, en devenir le fruit et se projeter sur cette base. Une sorte de mise à jour continue. Alors ce que tu dis, Nour, c'est très intéressant, ça s'appelle la dialectique. Le grand mot que Marx a évidemment repris. Cette notion de dialectique, c'est-à-dire la notion de quelque chose, d'une appropriation, de trouver des choses qui font antithèse, qui sont contraires à cette appropriation, et de dépasser le tout. Alors il y en a qui traduisent l'aufheben par la relève, la surzomption, le dépassement, voilà. C'est un dépassement qui nie tout en le conservant. Hein. On nie le passé, mais on le conserve. C'est un peu le mouvement que tu dis. Donc, c'est cette notion que évidemment que je vous accorde, qui est une notion intéressante de dialectique qui a été une vision du monde jusqu'à très récemment et qui est encore appliquée d'origine marxiste, en l'occurrence, même si la dialectique c'est plutôt hegelien, mais c'est Marx qui a vraiment repris cette idée. Et justement, l'école de Francfort vient mettre un petit bémol à cette idée en disant que finalement, ce qui est dépassé, c'est toujours ce qui vainc, du verbe vaincre, c'est toujours ce qui triomphe. Finalement, Benjamin disait, on ne retient l'histoire que l'histoire des vainqueurs. Et il faudrait aujourd'hui faire l'histoire des vaincus. Parce que dans ce mouvement dialectique, ce qu'on retient de ce qui est moderne, c'est ce qui a triomphé, c'est ce qui a gagné un marché, c'est l'auteur qui vend des livres, c'est la technologie qui porte. Et on oublie ce que Adorno, dans Minima Moralia, réflexion sur la vie mutilée, magnifique livre de critique de la politique d'Adorno, c'est ce qu'Adorno appelle les coins sombres. Dans cette idée de dialectique du vainqueur, on oublie les coins sombres, ce qui a été occulté, ce qui est mineur, et soi-disant mineur par rapport à l'aune de la modernité. Peut-être que ce qui est mineur est plus intéressant que ce qui est dit moderne, dans le sens de publicitaire, de triomphe et de mise en lumière de ce qui gagne. Hein. Donc il y a une histoire des perdants, et la dialectique oublie ce qui perd pour le moment, mais ce qui peut gagner à l'avenir. Je vous lis cet extrait d'Adorno, Minima Moralia. Voilà, on pourrait ajouter que la connaissance doit, il est vrai, représenter la succession fatale et rectiligne de victoires et de défaites, mais qu'elle doit aussi se tourner vers ceux qui ne s'inséraient pas dans cette dynamique, ce qui est resté au bord du chemin, ce qu'on pourrait appeler les déchets et les coins sombres qui avaient échappé à la dialectique. C'est le propre du vaincu de paraître insignifiant, excentrique, dérisoire du fait même de son impuissance. Ce qui transcende la société dominante, ce n'est pas seulement la potentialité qu'elle a développée, mais aussi tout ce qui ne cadrait pas vraiment avec les lois du mouvement historique. La théorie se trouve renvoyée à un matériel imparfait, opaque, non encore élucidé, qui possède de ce fait des traits anachroniques, mais n'est pas totalement désuet parce qu'il a déjoué la dynamique de l'histoire. C'est dans l'art que cela transparaît le mieux, apparaît le plus nettement. Et les exemples sont intéressants. Les livres pour enfants comme Alice au Pays des Merveilles ou Struwwel Peter, que je ne connais pas, mais Alice au Pays des Merveilles, que tout le monde connaît, à propos desquels il serait absurde de se demander s'ils sont progressistes ou réactionnaires, contiennent des clés incomparablement plus éloquentes, y compris de l'histoire, que les grands drames d'un Hebel, dont personne connaît Hebel aujourd'hui, tout remplis de la thématique courante, de la faute tragique, des tournants de l'histoire, du cours du monde et de l'individu.
et les pièces pour piano de Satie. Vous connaissez hein, les gymnopédies de Satie. Les pièces de piano de Satie, impertinentes et puériles, laissent entrevoir les traces d'un vécu dont l'école de Schoenberg, le dodécaphonisme, la musique contemporaine d'aujourd'hui, avec toute sa rigueur et tout le pathos de l'évolution musicale antérieure, n'a aucune idée. C'est-à-dire qu'il est en train de dire que Satie, ça se trouve, il est peut-être plus moderne que Schoenberg, même si les feux étaient mis sur la musique dodécaphonique révolutionnaire de Schoenberg. Super intéressant de voir que, finalement, il est très dur de définir une chose moderne. Est-ce que la chose moderne, c'est ce qui gagne le marché, ce qui triomphe au niveau, je dirais, commercial, au niveau du prestige, au niveau de la célébrité, ou est-ce que ce qui est moderne, c'est ce qui a des potentialités intemporelles? Vous connaissez le mot de Baudelaire, il dit que le moderne, c'est le futile, le frivole, c'est la moitié de l'art. Et Baudelaire, dans les années 1860, explique qu'il y a l'autre moitié de l'art, c'est l'éternel, c'est l'immuable. Eh bien, peut-être qu'on pourrait définir ce qui est moderne comme ce qui, justement, est connecté à de l'éternel qui résistera aux modes. Le moderne qui résiste aux modes, je trouve ça intéressant de mettre cette dialectique au cœur de la notion de moderne. Mais je reviens à vos questions. Alors, la modernité a asservi la nature. Sandrine, la modernité, c'est de penser qu'il est vraiment très con de continuer à vivre dans la surconsommation. On perd de l'argent et du temps alors que la transmission du savoir se multiplie et que c'est du bonheur. Voilà. L'esclavage a toujours existé, c'est pas très moderne, dit Mao. Raphaël, comme le rappelle Valérie, le drame de notre époque est que la beauté est une sorte de morte. La nouveauté, l'intensité, l'étrangeté, en un mot, toutes les valeurs du choc l'ont supplantée. L'excitation, toute brute, est la maîtresse souveraine des âmes récentes. Et les œuvres ont pour fonction actuelle de nous arracher à l'état contemplatif, au bonheur stationnaire, dont l'image était jadis intimement liée à l'idée générale du beau. Merci pour cette lecture, Raphaël. Alexandra, être moderne, est-ce être capable de ne pas se laisser influencer par les codes sociaux pour prendre ses décisions et agir? Être capable de surfer et à travers les cadres aliénants pour atteindre ses buts? Bonsoir à tous. Raphaël, mais c'est du bluff, c'est ma remarque sur Valérie. D'accord, ok, j'ai compris. Jérémy, alors c'est quoi la différence entre être moderne et viser un idéal? Bonne question à laquelle tu dois aussi répondre et on doit tous répondre. L'avancée de l'humanité est la modernité. Donc là, tu es dans une vision un peu hegelienne. Hein, l'esprit universel se développe à travers nous et donc il y a une sorte de marche en avant de l'histoire. Voilà. J'ai l'impression que c'est plus complexe. On est dans des modernités différentes aujourd'hui. On a peut-être un conflit de modernité aujourd'hui. Kira Kira, rejet et la déconstruction des codes classiques l'exploration d'autres possibilités. Elsa, on peut aussi penser à Gadamer, le problème de la conscience historique. Par conscience historique, nous entendons la conscience de l'historicité, de tout présent et de la rivalité de toutes les opinions. L'apparition d'une telle prise de conscience est vraisemblablement la révolution la plus importante que nous ayons subie depuis l'avènement de l'époque moderne. J'ai du mal à comprendre, il faut que tu nous fasses une explication de texte. Racha, moi j'aime bien vivre, d'accord. Raphaël, que penses-tu du projet Ars Industrialiste et l'initiative philosophique de 1? Ces idées sur notre modernité sont autour du capitalisme autoritaire. Que je ne vais pas faire une critique là de Stiegler, on va consacrer un numéro spécial sur Stiegler. Voilà, c'est de bon sens, je ne pense pas que... Bon, mais peu importe, on ne fera pas une critique de Stiegler. En tout cas, l'idée de critiquer évidemment la modernité, l'absence de sens que donne le capitalisme et la technolâtrie est intéressante. La façon de créer des concepts un peu vides et de jouer avec me semble critiquable, mais il faudrait développer en profondeur. Raphaël, c'est bon. Alexandra, ah oui, la liberté est intemporelle. Super. Voilà, donc continuons. Cette notion de modernité, moi ce qui m'intéresse, c'est cette idée d'une modernité qui pourrait justement être une résistance à la succession des modes. Hein, qu'en dit l'école de Palo Alto de la modernité, Alexandra, la modernité de l'école Palo Alto est très connectée à la cybernétique et donc à l'idée que l'informatique et la technologie va suppléer aux carences de l'être humain, à sa façon, je dirais, d'être dans la passion, à sa façon d'être dans les excès. Et donc, c'est
une vision intéressante, hein, très intéressante, mais alors il y a plusieurs tendances, mais bon, ce que ça a donné au niveau de la Silicon Valley, on a affaire à une modernité absolument prédatrice, prédatrice. Être moderne, c'est être le prédateur gagnant, et ça rejoint un peu la critique d'Adorno. Moi, j'ai l'impression que dans ce que vous me racontez, même dans vos contenus, quand vous dites le contenu, l'idée que la modernité, c'est résister, je dirais, à l'absence de sens, j'ai l'impression que la modernité a quelque chose de créateur. Et que quand on dit que quelque chose est moderne, au sens fort du terme, pas au sens de la mode, mais au sens fort, on a l'impression que ça crée le temps, ça crée le futur, c'est ce que tu disais, je crois, Jérémy. Il y a cette idée d'une création de futur, pour ne pas dire de nouveau paradigme, mais en tout cas de création de futur. Et dans l'idée de moderne, il y a donc l'idée d'innovation, hein, qui est une idée évidemment qui a été complètement phagocytée par l'entreprise, mais qui est une très forte idée. L'idée de proposer du contenu nouveau, et donc forcément de faire avancer les choses, parce que la modernité est créatrice en soi. Créatrice de sens nouveau, de perception nouvelle, créatrice de liberté nouvelle. En ce sens, c'est un peu une définition que j'aime donner de la philosophie. La philosophie comme créatrice de liberté nouvelle, la modernité serait en ce sens d'essence philosophique, c'est-à-dire une interrogation sur le monde qui porte en germe du nouveau sens, des nouveaux sens, des nouvelles possibilités d'analyse, de lecture du monde, de grille de lecture, et puis des nouvelles possibilités d'action, voire même d'exploration vers des choses alternatives, des choses de dissensus, des choses qui sortent du suivisme et du conformisme généralisé. Dites-moi ce que vous pensez de cette idée d'une modernité créatrice. Être moderne, c'est être créateur du futur, créateur d'un dépassement de l'état des choses. Ok, Sandrine, la culture résiste à la mode? Non. Alors la notion de culture, du coup, arrive, et c'est très bien vu, Sandrine. Effectivement, tu m'as devancé sur ce coup-là. Comment juges-tu l'apport de l'art contemporain à l'idée d'être moderne? Bah, l'art contemporain a une vision de la modernité, je dirais, par la rupture. C'est cette idée qui est développée d'ailleurs par un philosophe dans les années 30, hein, c'est Husserl. Husserl, Edmond Husserl, développe dans la crise européenne la notion de crise, crisis, hein, cette idée de jugement et cette idée finalement d'une modernité qui serait en crise et en rupture. Et l'art contemporain a totalement pris cette notion de crise. Tout artiste contemporain qui essaye d'être justement à l'avant-garde, et cette notion d'avant-garde aussi résonne avec être moderne, essaye de créer justement cette notion de créativité, bah de créer la rupture. Alors ça passe par le scandale, ça passe par le changement des codes, le changement des normes, ça passe par la surprise, ça passe par la volonté finalement de transgression. Hein, l'art contemporain définit la modernité comme ce qui est capable de transgresser les attentes, de transgresser l'ère du temps, hein, tout simplement. Donc c'est intéressant, ça voudrait dire que la modernité créatrice serait toujours une modernité de transgression de l'état du monde. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous voulez rectifier cette définition? La coupe en brosse, c'est moderne, dit Jolène. Ben, je ne sais pas, je ne connais pas les dernières tendances, mais là, c'est pour le coup, c'est à la mode plutôt que moderne, je dirais. Raphaël, ah non, Alexandra, être moderne, c'est prendre dans chaque paradigme le meilleur et faire un mixte. Oui, là il y a vraiment une idée un peu de faire sa tambouille. J'ai l'impression que être moderne, c'est engager un peu une collectivité avec nous. C'est-à-dire que c'est pas simplement quelque chose d'égoïste où on serait un simple consommateur. Il y a vraiment l'idée d'embarquer des gens dans une nouvelle voie que l'on trace. Être moderne, j'ai l'impression que pour le coup, c'est quelque chose d'essentiellement fédérateur. Ça n'empêche pas qu'il y ait un conflit des modernités. Ou des archaïsmes, en tout cas, il y a l'idée de fédérer. Je ne sais pas si on peut être moderne tout seul en ce sens. Qu'est-ce que ça veut dire être moderne tout seul? C'est être singulier, ça n'a pas de sens. Donc il y a vraiment l'idée d'embarquer des gens et de sortir de l'atomisation sociale, de sortir de cette impuissance à faire du nous, hein, tout simplement. Et peut-être qu'être moderne, c'est inventer un nouveau nous. Nietzsche dirait un nouveau peuple, hein, c'est-à-dire des individus avec une sensibilité nouvelle, une façon de dire leurs émotions nouvelles, une façon de faire de la politique un peu nouvelle. Voilà. Et en ce sens, on voit bien que la critique aujourd'hui qui nous est adressée, c'est que lorsqu'on n'est pas d'accord, lorsqu'on résiste à la définition, je dirais, de certaines élites de la modernité,
eh bien on est les anciens, hein, on est archaïque. Et donc le moderne, ça peut être aussi, dans le jargon, dans la communication aujourd'hui, ce qui doit exister de façon obligatoire, et ceux qui combattent cette modernité décrétée comme obligatoire, eh bien sont jugés archaïques, has-been, réactionnaires et autres. Donc ça aussi, c'est une notion, encore une fois, polémique, et qui nous interroge. Alors, on a quoi? Nommé, Tambouille. Ah oui, la coupe en bois, d'accord, vous êtes dans Dragon Ball Z. Bonjour à tous, ce qui est moderne et avant-gardisme. Ah oui, mais il faut définir. Yacine, les idées naissent, vivent et meurent. Être moderne, c'est faire partie du monde en devenir. C'est un peu ce qu'on est en train de dire, Yacine. Je suis d'accord, mais je dirais c'est même participer à ce monde. Enfin, je veux dire, produire une forme d'expression créative qui permette de faire advenir ce monde-là. Embarquer tout le monde dans le mix, d'accord. Anissa, help me. I need the medication. Freddy, je ne suis pas d'accord. Le mot moderne évoque le conformisme aux normes de la société actuelle. C'est l'avant-gardisme qui est créateur et transgressif. D'accord, c'est une vision. Moi, j'étais dans quelque chose d'un peu plus lyrique, Freddy, je te l'accorde. Je voyais vraiment cette idée de modernité comme une rupture. Toi, tu nous redonnes cette notion d'une modernité comme ce qui est arrêté. J'ai l'impression que la puissance de cette notion, si on veut la sauver, j'ai envie de sauver cette notion. J'ai envie de sauver cette notion. J'ai envie de sauver cette notion et montrer que finalement, être moderne, c'est faire triompher l'humain par rapport à tout ce qui voudrait l'exploiter et l'avilir. Hein, j'ai envie de faire de la modernité quand je crois que c'est Rimbaud qui disait il faut être absolument moderne. J'aime beaucoup cette phrase qui a été reprise en mai 68, je pense. Changer la vie, être absolument moderne. Absolument, c'est le paradoxe. C'est-à-dire, moderne est toujours relatif à une époque, et être absolument moderne, c'est moderne de tous les temps. Et être absolument moderne, c'est vraiment viser je dirais, un regard lucide sur la justice et l'injustice, sur l'augmentation de l'égalité, l'augmentation de la liberté, l'augmentation de la fraternité. Alors, je sais que ça peut faire un peu vieux jeu, peut-être. Mais je crois vraiment que liberté, égalité, fraternité, si on décide de l'appliquer à tous et non pas de réserver ça à quelques privilégiés, c'est absolument moderne. Je crois vraiment qu'ils étaient très inspirés lorsqu'ils ont décidé de mettre ça comme les trois grandes valeurs fondamentales, les trois grands buts à atteindre pour une société. Liberté, égalité, fraternité. J'ai l'impression que tout ce qui participe à aller vers cet idéal type, comme dit Weber, hein, aller vers cet idéal-là, participe de cette modernité que j'ai envie de sauver. Et donc pour moi, être moderne, c'est favoriser ça, quels que soient les moyens. Que ce soit pour l'artiste, et il n'est pas obligé de faire des scandales et de transgresser pour y arriver. Que ce soit pour l'artiste, que ce soit pour le politique, que ce soit pour des tendances de pensée, des courants intellectuels, j'ai l'impression que c'est œuvrer pour cette idée que l'humain est un combat, quoi. L'homme est toujours à la moitié de l'homme. J'avais écrit ça une fois. L'humain est toujours à la moitié de l'humain. Et donc, néo-résister, comme je l'appelais, c'est-à-dire développer une résistance créatrice, et donc absolument moderne, c'est justement essayer d'arriver à être pleinement humain. Et on n'en finit pas d'essayer d'être pleinement humain. Et je crois que ce qui définit l'humanité de façon, je dirais, dialectique, c'est cette idée d'émancipation contenue dans la liberté, cette idée de nous, collectif, contenue dans la fraternité, et cette idée de tolérance contenue dans l'égalité, de tolérance profonde et d'égalité des possibles, indépendamment de la naissance, indépendamment des classes sociales. En ce sens, le risque de la modernité ainsi définie, c'est un risque d'essence religieuse. C'est un risque d'essence religieuse parce que si la modernité est un combat pour arriver à un idéal avec, je dirais, une fête promise, hein, imaginez l'humanité pleinement accomplie, c'est Auguste Comte, hein, avant Marx, mais avant Marx, c'est Auguste Comte qui nous montre avec son positivisme, là, qui nous montre qu'il y a une humanité qui doit s'accomplir. Ça a donné beaucoup, beaucoup de, pas de sectes, mais de grands courants, qui étaient plutôt enfermants d'ailleurs.
Le risque est une tentation religieuse. Cette idée de tentation religieuse, c'est cette idée d'un prophétisme contenu dans la notion de modernité. Il faudrait inventer une modernité qui ne soit pas messianique, qui ne soit pas prophétique. Une modernité qui soit hyper réaliste et pragmatique dans ses moyens de déploiement et qui fasse un sort également à cette tentation d'essence religieuse de prédire un grand soir. Et c'est un peu la critique que fait du marxisme un intellectuel que j'aime beaucoup, que vous connaissez peut-être, précurseur de l'écologie, qui est André Gorz, et aussi qui a écrit un très très beau livre sur l'amour, très profond. André Gorz dit dans un interview il y a très longtemps cette chose que j'ai envie de vous lire, en parlant du marxisme, parce qu'être moderne à l'époque, c'était véritablement être marxiste, on est dans les années 80. Hein. Alors, j'ai moins le sentiment d'une rupture que d'une visée constante face à une réalité changeante. Voilà, on parle de sa pensée, déploiement de sa pensée. Sur le prolétariat, je n'ai pas tellement varié. Il y a 30 ans, quand je me suis demandé pourquoi le prolétariat et la pensée communiste exerçaient sur les jeunes intellectuels, moi y compris, une fascination culpabilisante, je me suis rendu à l'évidence qu'il s'agissait d'une tentation religieuse. Le marxisme, sous ses formes successives, n'a cessé de charrier une religion du prolétariat. Tout y est, la crucifixion, la résurrection et le salut par la foi. Le caractère religieux de la foi en le prolétariat apparaît assez nettement chez le jeune Marx. Et voilà, donc peut-être que la modernité, c'est cette idée d'un idéal à atteindre qui passerait par des voies, je dirais, de critique sociale, de critique aussi de son propre processus. Et donc d'interrogation, d'autocritique finalement, de philosophie au sens fort, et pour ne pas tomber dans cette sorte de construction fantasmée, messianique, prophétique, qui est extrêmement tentante, mais déconnectée de la réalité. Finalement, peut-être que la modernité, telle que je la définis, une modernité qui progresse vers l'accomplissement de l'humain qui n'est tout jamais réalisé, c'est une modernité aussi qui est un acte de remise en question de soi et d'elle-même en permanence. D'autocritique. C'est peut-être par l'autocritique qu'on peut critiquer la société en ce sens, et les deux doivent aller ensemble. On va finir ce petit live en lisant vos derniers commentaires. J'espère que ça vous a intéressé. Alors, juste une petite chose. Ce qui explique le mieux ce mouvement d'un idéal à viser sans tomber dans une sorte de nouvelle religion, ou de nouveau dogme, tout simplement de dogme. Peut-être que le mot religion vous trouble, alors c'est peut-être doctrine, dogme, hein, enfermement de la pensée dans des systèmes clos. C'est la révolution galiléenne, copernicienne, galiléenne. Et tout d'un coup, on se rend compte, et c'est ce qui définit d'ailleurs la modernité au sens historique presque, hein, tout d'un coup, la Terre n'est plus le centre de l'univers. Tout d'un coup, le Soleil devient le centre de notre système solaire, et l'homme est infiniment relativisé, contrairement à la Bible, au récit sacré. Et c'est Alexandre Coiré qui explique ça, que l'héliocentrisme, hein, l'idée de mettre le soleil tout d'un coup, hein, une révolution absolue, alors pour le coup un vrai changement de paradigme, au sens scientifique du terme, et bien Alexandre Coiré montre bien que c'est une révolution bien sûr scientifique, de considérer l'univers comme ça, mais surtout une révolution spirituelle. C'est une révolution spirituelle sans passer par une religion donnée, une institution, avec toujours ses clercs et toujours ceux qui exploitent les autres. Et donc, effectivement, c'est une révolution spirituelle parce que ça redistribue notre rapport au monde, notre rapport à la nature, le sens de notre présence dans l'univers. Mais c'est une révolution spirituelle qui n'en finit jamais avec la réflexion critique et notamment le développement de la science. Au contraire, ça ouvre le champ des possibles. Finalement, c'est ça la modernité. On pourrait définir la modernité ainsi. La modernité, c'est cette puissance de transformation de l'humain pour plus d'humanité, en essayant de déconstruire les dogmes que l'être humain n'a de cesse de construire. C'est une puissance de contre-dogmatique, hein, anti-dogmatique, d'avancée du sens et de remise en question, presque je dirais de remise en jeu du sens lui-même et de la fabrique qui permet de construire du sens. Être moderne, c'est s'interroger sur sa façon, sa propre façon de sécréter du sens dans le monde. Et en ce sens, c'est la quintessence, me semble-t-il, de la philosophie. Finissons un peu avec vos commentaires. À condition d'analyser que l'absolu ne doit pas être annihilé par l'illusoire précarité de nos amours, etc. etc. Jolène, je vais lire ça, mais ça a l'air très poétique, j'adore. Yacine, le progrès changera notre perception de la modernité le jour où nous accéderons à l'immortalité et au voyage dans le temps. Alors, Yacine,
tu peux toujours attendre, hein, j'ai l'impression. Il y a vraiment. Ouais, ça a l'air de planer un peu pour moi, à mon sens. Hein, peut-être que vous allez approuver ce que dit Yacine, mais voilà, je crois vraiment qu'on peut rester sur Terre. Alba, la modernité absolue est-elle une nécessité de l'époque messianique ou peut-on amener l'avenir together vers ce qui deviendra moderne lorsque le temps subjectif sera révolu dans la dialectique? Excuse my French. Alba, c'est super complexe, je crois que je vais méditer ce que tu écris tranquillement à tête reposée, mais c'est très intéressant de lire, hein, pour finir vos commentaires. Alors là, ça c'est de l'arabe, je ne connais pas Anissa l'arabe, donc quelqu'un doit traduire. Dounia, c'est un profond renouveau de la pensée à tous les niveaux, personnel et collectif. La modernité, oui, très intéressant. Et là, vous parlez arabe, donc mes amis, je suis perdu. Mais c'est ça aussi la modernité, c'est que toutes les langues communiquent dans une agora vidéo philosophique en live, en direct. C'est très moderne. Jérémy, dans la personne cliché qui regarde la télé-réalité et se prend en selfie H24, c'est pas moderne, etc. Voilà. Mais écoutez, la critique reste ouverte. Ce petit mot de Francis Picabia que j'aime beaucoup, c'est une lâcheté que d'applaudir à toutes les idioties que l'on nous montre sous prétexte de modernité. Je crois que la modernité, c'est de pouvoir soi-même s'assigner une marge de progression. Être moderne, c'est définir soi-même en quoi consiste le progrès et ne pas se laisser imposer le progrès des autres, notamment des élites dominantes. Le progrès, c'est au peuple de le décider, c'est dans un débat critique, un débat philosophique. Ce que nous faisons là, c'est aux citoyens de définir les normes du progrès et certainement pas à une élite qui va évidemment nous imposer ce progrès à coup de publicité, de communication et de bourrage de crâne, à coup d'éducation, à coup de conditionnement. Et je crois que être moderne, c'est s'emparer de la définition du progrès lui-même. Voilà, je vous remercie. C'était vraiment intéressant, très dense. Et je vous donne rendez-vous tous les soirs possibles à 22h pour Blur is the New Black. Si vous voulez supporter mon initiative, vous pouvez faire des choses très très simples. Je vous l'ai dit en vous disant au revoir. D'abord, vous pouvez liker la vidéo. Ensuite, vous pouvez la partager un peu partout, y compris pour que vos amis profitent du replay. Avec un petit commentaire, c'est sympa parce que je vois vos commentaires quand vous partagez pour inciter les gens à faire partie de notre aventure. Vous pouvez également aller sur ma chaîne YouTube, liker la vidéo, faire des commentaires et partager à partir de la chaîne YouTube. À chaque fois, 2 heures après, ça apparaît sur YouTube. Et puis, voilà, amenez vos amis dans cette agora vidéo. Nourrissez-moi en commentaire, en thème. N'hésitez pas, plutôt que de me laisser des messages privés, à laisser des messages dans le fil de commentaires, que tout le monde puisse discuter. Et on continue cette avancée absolument moderne vers plus d'intelligence connective. Merci mes amis, portez-vous bien. À très bientôt, au revoir.